OK, so we are back for the next presentation on the different stakes and interest of big data in agriculture. And the presentation is done by Salima Hassani. Thank you. Donc, merci au comité d'organisation et au comité scientifique. Sorry, but I speak in French, but my presentation is in English. Je vais en fait vous brosser un petit peu ce qui peut se passer en fait dans le domaine de l'agriculture et en biologie suite en fait à des projets de recherche que j'avais animés. Je vais introduire un peu puis ensuite parler du contexte. Oui, c'est parce que en fait, oui, ils sont voilà, ça va aller. Essayer de brosser en fait les contextes dans lesquels j'avais travaillé avec des équipes de recherche pluridisciplinaires et qui m'ont amené finalement à élaborer des méthodes qui en fait sont assez utiles et utilisées donc dans le domaine des big data. Donc deux projets et puis ensuite par rapport à ces projets on a élaboré donc une méthode qui est une extension des forêts aléatoires au random forest au cas de données qualitatives. Et enfin, comment on peut construire des outils d'aide à la décision dans le domaine de la biologie et de l'agriculture. Et enfin, quelques perspectives que j'émettrai par rapport à ces sujets. Donc, on sait qu'aujourd'hui, le nombre de data, le nombre de données explose. En fait, on est encore peut-être même au commencement, c'est-à-dire qu'il ne cessera d'augmenter suite finalement à toute l'information qui est diffusée par les systèmes d'information, les réseaux sociaux, les objets connectés, les drones, aujourd'hui aussi, dans le domaine de l'agriculture de précision. Et donc, en fait, on peut se poser la question, comment aujourd'hui ou demain, les chercheurs, que ce soit en biologie, en agriculture, en socio-économie, bien sûr en lien avec le domaine de l'agro-agri, agroalimentaire et agriculture, puisqu'on va de la fourche à la fourchette, et qu'ils sont en lien, comment en fait les chercheurs vont travailler ensemble pour essayer d'organiser les données, enfin de les manager, de les analyser, de aussi prendre en compte, surtout, comme on le sait, l'hétérogénéité. Et de prendre en compte aussi le problème des valeurs manquantes, la multicollinéarité, etc. Et donc, en fait, comment aussi peut-on mixer? Parce que souvent, c'est vrai, on n'a pas que des variables quantitatives, quand bien même il est plus facile de les analyser, c'est qu'aussi on a l'avènement de métadonnées, de données qualitatives. Voilà, tout à l'heure, on nous parlait de sciences humaines, enfin de sociologie. Il peut apparaître aussi d'autres données. Donc, on a un mix, en fait, entre données qualitatives et quantitatives. Et face à ça, il faut répondre, finalement, les statisticiens vont répondre à des questions comment on va finalement agréger ces données-là pour créer des outils d'aide à la décision. Alors, il y a deux... J'ai deux... en fait... Pardon. Deux sujets, enfin, ou deux projets de recherche, même s'il y en a d'autres, mais c'est de là pour lesquels, en fait, au niveau, disons, du partage finalement de l'information et de la gestion. Donc là est un projet normand qui donc est relatif au ruissellement érosif et le second donc relatif à la qualité des sols, au bio-indicateur de la qualité des sols, c'est-à-dire comment évaluer la qualité des sols lorsqu'on a finalement un nombre volumineux, je dirais pas big data, mais très volumineux de données qui proviennent finalement de plusieurs compartiments, la faune, la flore, la microflore, le paysage. Donc deux projets qui ont été financés par l'ADEME et l'autre par la région Haute-Normandie dans les grands réseaux de recherche. Alors, j'ai commencé par celui donc, qui est relatif à l'impact et voir comment finalement l'avènement d'une méthode statistique peut naître aussi de questionnements en agriculture ou en biologie. Hein. Comme on sait, Fisher, c'est finalement des méthodes statistiques. C'est bien grâce au plan d'expérience sur le haricot. Voilà, Student, c'est sur la brasserie Guinness. Donc finalement, en fait, je ne dis pas que c'est pas du tout dans cet ordre-là, mais simplement que que les questionnements des biologies, etc., peuvent amener à des petites innovations ou à des extensions. On dira plus des extensions.
Alors sur cette partie Émir, en fait, il y avait plusieurs collaborateurs, partenaires, voilà, des géographes, des économistes, des sociologues. Et bon. Alors il s'agissait finalement, on a donc un bon sujet, voilà, ce qui nous intéressera, c'est surtout comment en fait on a étendu une méthode des refoureuses aléatoires, mais surtout en fait la question c'était d'évaluer finalement le consentement à payer des habitants de la vallée du commerce. D'accord, c'est en une petite vallée qui est très très érosive. Et en fait, c'était d'essayer de trouver finalement d'évaluer monétairement le consentement à payer. Bon, cela, les économistes savent faire. Bon, ils renvoient des questionnaires. Ces questionnaires sont adressés à tant d'habitants. Et puis donc, nous, on a récupéré l'état de données et qui, pour la plupart, sont qualitatives. Voilà. Donc, souvent, les méthodes de régression logistique et autres méthodes qui sont utilisées. Et l'idée, c'était de se dire, en fait, est-ce qu'on ne peut pas reproduire, puisqu'on était sur des enquêtes longitudinales, et donc de reproduire finalement, ou des enquêtes qu'on pouvait reproduire année après année, pour voir l'évolution finalement de ces habitants-là face à l'érosion, et de se dire finalement, est-ce qu'on ne peut pas reproduire cette méthode et la rendre automatique ? Alors, si on veut rendre automatique, il faut bien sûr ne pas trop triturer les données, ne pas trop les traiter. Mais en même temps, il faut tenir de manière rigoureuse, disons, un déroulement pour les économètres, économistes. Donc là, l'enquête avait été faite sur la petite région, donc, avec la méthode des quotas, avec des enquêteurs qui étaient. Voilà. Donc sur l'enquête, je vais passer, sauf s'il y a des questions. Donc le programme de ce projet-là doit se dérouler sur plus de 20 années. Et en fait, on voulait savoir si en fait quels bénéfices avaient les habitants si on voulait, par exemple, dérouler un programme. Donc il y avait trois programmes qui leur étaient proposés et il fallait qu'ils en choisissent un. Voilà. Donc, mais bien sûr, il fallait aussi qu'ils paient des frais, donc un petit impôt. Voilà. Donc il fallait évaluer monétairement. Alors, sur le nombre, la problématique, c'est des problématiques habituelles quand on est face à des données qui sont issues d'enquêtes. Donc, c'est de se dire, en fait, d'un côté, comme je vous disais, de prédire finalement le consentement à payer et de rendre possible finalement des vagues successives d'enquêtes. Cela, donc, en fait, on a été donc un peu on a limité donc l'analyse. Dans ce cas-là, au cas binaire, c'est-à-dire qu'en fait, le consentement à payer, c'était oui ou non. Mais c'est vrai qu'on pouvait aussi, finalement, évaluer 1, 2, 3, 4, 5, si on évaluait peu ou faiblement, finalement, ce consentement à payer. Donc, on ne l'a pas, ce n'est pas quantifié, c'était 0, on ne veut pas payer, 1, donc les habitants pourraient payer, en fait, un petit impôt. Voilà. Donc, c'était par rapport en fait, au nombre de données massives, si on voulait reproduire finalement la méthodologie, c'était donc un nombre de questions assez abondantes, plusieurs parties, donc un très long questionnaire que les habitants avaient aimablement rempli. Et en fait, l'idée, c'était de se dire, d'une part, c'était en fait de trouver quelles étaient les variables les plus discriminantes qui pouvaient expliquer le consentement à payer ou ne pas expliquer, et de aussi d'évaluer donc monétairement. Donc des méthodes logistiques habituelles, et là on était parti sur en fait pourquoi pas utiliser les forêts aléatoires, donc qui est donc une méthode d'apprentissage puisqu'on avait des données nombreuses, et à partir de là donc le problème c'est que les forêts aléatoires ne sont appliquées que lorsque les données sont quantitatives. Donc je me suis inspirée de la méthode Disqual qui en fait utilise l'analyse discriminante sur données qualitatives. Et donc, c'est donc des random forests étendus aux données qualitatives. Et donc, voilà. Donc, l'idée, c'était de se dire, bon, alors, pour une forêt aléatoire, donc, c'est une méthode, finalement, par arbre. Donc, ce sont des variables qu'on va, donc, on prend un nombre de variables, on sélectionne ces variables-là, et à partir de là, bien, on va mettre de la randomisation. Et donc, à chaque fois qu'une variable ne donne rien, c'est-à-dire que rien ne se passe, elle est retirée finalement de cet algorithme. Voilà. Donc, on construit finalement des arbres. Et après, bien sûr, il y a des paramètres à utiliser pour voir si ce qu'on appelle les hyperparamètres. Donc, voilà un petit peu l'algorithme. Donc, soit n, la taille
d'un échantillon d'apprentissage. Donc, un arbre de décision est construit de la manière suivante, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on va replacer les données. Ensuite, par rapport au nombre de variables, ben, c'est l'hyperparamètre K. Alors, K, bien sûr, a été choisi. Alors, selon des études faites, on peut choisir, en fait, racine de P ou bien ln, la partie entière, bien sûr, de ln de P plus 1, P étant le nombre de variables choisies. Donc, sont comme beaucoup de méthodes d'apprentissage. Donc, on a séparé en fait l'échantillon total en deux échantillons, un échantillon test et un échantillon de validation, sachant que le modèle avait été élaboré ensuite sur l'ensemble finalement des données. Alors, ce sont donc quelques critères par rapport au random forest. Donc, c'est parmi les premiers, bon, c'était Breman. Donc, il est vrai que finalement, lorsque vous avez un M qui est grand, c'est-à-dire ça, c'était par rapport au nombre d'arbres, il doit être fixé entre 100 et 500. Donc, au départ, on l'avait pas, enfin, il n'est pas implémenté sur R, mais on l'avait utilisé finalement Statistica, en fait, au départ. Et puis, bon, ça fonctionnait assez bien. Donc, lorsque M est très grand, finalement, on n'a pas de problème de surapprentissage, comme on sait qu'il y a souvent dans ces cas-là. Alors, et puis, bon, ça a fonctionné assez bien, de manière à ce qu'on ait, enfin, c'est vrai qu'on a eu des très bons résultats, et cela nous a permis de nous dire pourquoi pas l'utiliser, finalement, dans d'autres contextes, pour d'autres variables. Voilà. Donc, les prédicteurs, dans notre cas, c'était donc, comme vous le savez, dans des enquêtes, sont des variables socio-démographiques, enfin, il y avait trois grandes parties. Donc, elles étaient toutes ou nominales ou ordinales, très peu étaient quanti. Et puis, on a donc transformé par une analyse des correspondances multiples, c'est-à-dire on a donc utilisé le tableau disjonctif complet. Et puis ensuite, donc à partir de ces facteurs-là, l'idée, c'était de se dire qu'il fallait, puisqu'on voulait reproduire finalement l'analyse, pas ad vitam aeternam, mais bon, aussi souvent qu'on pouvait, c'était de se dire, en fait, c'est de rendre la tâche facile. Et on a pris l'ensemble des facteurs. C'est-à-dire que là, on n'a pas sélectionné le nombre de composantes qui étaient issues d'une analyse des correspondances multiples pour garder finalement l'information totale. Donc, bien ici, comme il s'agissait finalement d'une variable binaire, bien sûr, avec la distance de Malaubis, c'est celle qui procure finalement la meilleure discrimination. Et puis donc, les coordonnées de chaque individu ont été donc transformées. Et l'inertie finalement a été conservée pour chaque composante, pour chaque facteur. Donc voilà, je vous donne, je passe les détails sur l'échantillon d'apprentissage et test. J'avais pris 2/3 pour l'échantillon d'apprentissage, 1/3 pour l'échantillon de validation. Et bon, au total, voilà ce que ça avait donné entre finalement la méthode d'analyse discriminante sur données qualitatives, qu'on peut donc appeler aussi la méthode Disqual, même si on avait refait des calculs, mais disons qu'on aurait pu passer aussi par la méthode Disqual classique. Et puis la méthode des random forests, donc étendue aux cas de variables qualitatives, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de différences avec la méthode Disqual. Bon, sachant que sur la méthode d'analyse discriminante, on se connaît, il y a quelques contraintes qu'on ne retrouve pas finalement dans les forêts aléatoires. Et puis, le nombre de variables absorbées par les random forests peut être assez élevé. Alors, juste pour vous donner un petit peu l'algorithme, c'est-à-dire qu'en fait, le contexte était bien le contexte de small qui va devenir big data, bien sûr, de données qualitatives et quantitatives, d'autocorrélation ou de corrélation entre certaines variables, comme on le sait, et on ne voulait pas aller se dire « Ah, je vais d'abord rechercher les variables qui sont corrélées, je vais en faire finalement des groupes de variables, etc. » Donc, en fait, on a envoyé toutes les variables à la fois, comme on le ferait dans le domaine des big data. Et puis on voulait garder surtout, donc il y avait des données manquantes, comme vous le savez assez souvent, donc corrélation, données manquantes, comme vous le savez, il y a des répondants, bon, bien qu'ils ne veulent pas répondre à certaines questions, et puis en fait on voulait aussi que l'information soit totalement préservée. Donc la méthodologie, c'était de passer par finalement l'analyse des correspondances multiples sur les tableaux disjonctifs complets, d'acquérir de nouvelles coordonnées et de replonger ces coordonnées par des forêts aléatoires. Donc cela nous a permis finalement d'automatiser les résultats, d'une part, et puis d'agréger des variables si on voulait, d'établir des modèles prédictifs, et enfin de pouvoir construire
des outils d'aide à la décision. Dans ce cas-là, c'était « ils consentent à payer ou pas ». Bon, sachant qu'il y avait un autre souci, c'était le zéro, est-ce qu'il était vrai ou faux ? Donc c'est vrai que, bon, on considère que le zéro, c'est l'absence de paiement. Ça peut être aussi une volonté de refuser. Ou alors c'est parce que tout simplement, pendant cette période-là, la personne est au chômage ou ne désire pas payer, enfin ne peut pas payer. Voilà. Donc ça, c'est un autre problème ouvert hein, dans le domaine de la statistique sur les protest bits, hein, qu'on appelle les protest bits. Donc là, c'était donc un zéro absolu hein, qui était compté pour un zéro. Le second projet, donc là, en fait, on a étendu la méthode des Random Forest au cas de variables qualitatives. Un second projet, c'était en fait un projet qui était pluridisciplinaire, beaucoup plus pluridisciplinaire, je dirais. Et donc, où il y a donc, des instituts de recherche, des centres de recherche INRA, des universités, des écoles d'ingénieurs, et donc qui ont fait partie de ce projet-là, qui a duré donc 3 ans, qui est Bio 2. Donc, il y avait un Bio 1 qui avait duré aussi 2 ou 3 ans. Donc, finalement, ce projet a duré 6 ans. Et même si ce n'était pas encore le démarrage des big data, c'était de se dire que l'ADEME s'était déjà posé la question en disant, finalement, s'il n'y a que des biologistes qui gèrent les données, s'il n'y a que ceux qui s'occupent de la flore qui s'occupent des données, s'il n'y a que voilà, donc, ceux qui s'occupent de la microbiologie des sols, on ne peut pas avancer ainsi, mais c'est de mettre tout le monde ensemble. Et donc, voilà, en fait... ajouter à ça des statisticiens. Donc en fait, ils ont créé un groupe qu'on appelle Biomat. Et donc voilà, juste un petit dessin pour ceux qui ça intéresse. Donc il y avait un petit peu tout ça, c'est-à-dire en fait des activités, voilà, toutes les activités qu'on connaît du sol, avec voilà, le sol, des stress qui pouvaient être des contaminations métalliques, des contaminations organiques, voilà, enfin... etc., plusieurs activités. Et à cela, donc, on avait au total, donc, ici, il y avait 47 en fait, sites. Et donc, on avait plus de 200 000 observations à gérer. Donc, ce n'est pas du big data, c'est vrai, 200 000 observations, mais je pense que quand on gère 200 000 observations, ce n'est pas une question après de taille, puisqu'après, quand vous avez une méthode finalement qui fonctionne bien, on peut aussi augmenter. Et bon, on n'est pas non plus. Voilà. Donc, c'est peut-être le nombre de variables qui est plus important que le nombre d'observations. Ce n'est pas en fait dire. Voilà, quand on passe de 10 à 20 variables à 200, 300 variables à gérer. Donc, ce n'est pas du tout le même niveau, finalement, que le nombre d'observations. Donc, l'idée, c'est de se dire comment, finalement, on allait gérer ces données. Donc, là, j'ai fait un petit schéma, c'est-à-dire, en fait, c'est plusieurs couches. On avait donc les paramètres physico-chimiques, la microflore, bien, voilà, l'environnement, et puis il y avait aussi les données climatiques. Voilà. On pouvait avoir aussi le paysage. Alors, on sait que le sol est un système dynamique qui bouge. Donc, dans le domaine du big data, il va falloir beaucoup, beaucoup travailler, puisqu'en fait, les données ne sont pas inertes. Hein, ce n'est pas autant T, déjà, elles ont changé. Autant T plus quelque chose. Donc, on en a parlé. En fait, il y a eu des présentateurs qui avaient parlé un peu de ces données qui sont hétérogènes ou qui bougent tout le temps. Donc, c'est le cas, en fait, en agriculture. Et donc, finalement, il y a beaucoup de travaux, certainement, qui vont suivre dans le domaine du big data. Donc, là, il s'agissait de 3 compartiments, microflore, flore et faune, et en fait dans un environnement différent avec des conditions pédoclimatiques qui étaient contrastées, dont les variables donc devaient être gérées toutes ensemble, c'est ça en fait, puisqu'elles ont été, tout a été collecté au même moment à chaque fois. Donc à chaque échantillonnage, tout a été collecté au même moment. Donc je disais voilà, c'était en fait important d'abord de décrire une voilà. Alors, la méthodologie qu'on a mise en place, c'est celle-ci. Donc, on avait la qualité des données, l'hémogénéité, etc., l'analyse globale. Donc, je vous montre juste ça. Voilà. Voilà la base de données qu'on a. Donc, ce n'est pas une base de données, mais disons une partie. Donc, ça donne une idée. Hein, c'est pas, voilà. Donc, la sélection, finalement, des 7, enfin, d'une partie des indicateurs, nous a permis de faire quoi, finalement ? D'avoir en fait avec land use, enfin, c'est-à-dire il y avait des contaminations métalliques, organiques, et puis donc des conditions, comme on a dit, pédocontrastées. À partir des random forests, donc, on pouvait mélanger, on a diminué la taille, le nombre de variables à 30 seulement, maximum 30. Et voilà ce que donne finalement par rapport à la logistique. Cette fois-ci, on a comparé à la logistique, et on a donc aussi bon, peu de différence entre la régression logistique et puis les random forests.
Bon, sachant qu'ici, les random forests, comme je disais, absorbent beaucoup plus de... Voilà, donc c'est juste pour vous dire, on est arrivé finalement à un modèle prédictif sur un cas, voilà, où on a un nombre de variables qui était assez faible par rapport au départ. Et qui, en fait, avait, enfin, on avait de très bonnes prédictions de l'ordre de 90 à 95%. Voilà. Donc finalement, notre approche a permis d'établir en fait un carnet de route, surtout pour l'ensemble des utilisateurs, puisqu'il a fallu travailler ensemble, c'était la même qualité des données, il fallait donc que tout le monde puisse correspondre. Finalement, de sélectionner un panel de variables discriminantes et de aussi élaborer un modèle prédictif de la qualité des sols, un modèle composite. De là, tout à l'heure, on a parlé de... aussi l'homme, c'est-à-dire il y a aussi des questions qui reviennent, qui sont socio-économiques, mais cet indicateur, on va dire composite, en fait, c'est un bio-indicateur de la qualité des sols, qui était composite, il a fallu aussi, finalement, faire aussi en sorte, c'est là où rentrent aussi les random forests sur données qualitatives, en disant peut-être que l'indicateur agrégé était bien, mais en fait, il faut qu'il soit, disons, facile et opérationnel. Donc, pour qu'il soit aisément, disons, aisément utilisé par les utilisateurs. Donc, on a fait des enquêtes. Et de là, finalement, le score final pour un indicateur de la qualité des sols a été, en fait, un pool entre un score scientifique, qui était donc le modèle prédictif, et puis ensuite le score qui était, finalement, techno et éco-sociaux déduits, donc des enquêtes. Et là, on avait un mix entre ce qu'on appelle des variables qualitatives et des variables quantitatives. Voilà. Alors, alors en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, l'utilisation des random forests nous a permis d'une part de sélectionner des variables quantitatives, bon, comme toujours, on le connaît. L'extension a permis d'utiliser des variables qualitatives. Donc, on sait très bien qu'aujourd'hui, on a un mix au niveau des sources d'information qui proviennent de drones, qui proviennent d'échantillons, d'histoires d'un sol, etc. Et en fait, sur les variables qualitatives, donc, comme on disait, ben, c'est possible aussi de construire finalement un index biologique de la qualité des sols, comme on l'a fait. Alors, les perspectives, peut-être par rapport à ce que je viens de dire, c'est de se dire en fait l'implémentation peut-être de cet algorithme-là sur R. Pourquoi pas, ou aller en fait un peu plus loin, puisqu'en fait il n'a pas été fait, que les données en fait conventionnelles, ce qu'on appelle données en fait les méthodes statistiques classiques sur les data, petites data, ne sont plus finalement extrapolables aux big data, par exemple l'inférence statistique, l'échantillonnage, les tests, les intervalles de confiance. Moi, je pense finalement que c'est plutôt a posteriori qu'on va pouvoir utiliser ça, puisque finalement, on aura accès à toute la base de données et qu'on pourra faire des échantillons à partir de la base de données. C'est-à-dire qu'on a un problème inverse par rapport à avant, mais on a presque accès à la population, mais on ne pourra pas complètement l'étudier. Et donc, on aura finalement ces échantillonnages, parce qu'on parle que l'ancienne statistique, c'est fini. C'est-à-dire tout ce qui est inférence, c'est fini. Et voilà, enfin, ça, c'est moi. Hein, ça n'engage que moi, mais je pense que voilà, ça peut être ouvert pour un débat. Alors, c'est vrai que je pense que les problèmes viendront du nombre de variables et de leur nature, pas du nombre de données qu'on a. Et que les méthodes non paramétriques, alors qu'on était finalement friands de données, qu'on n'arrivait jamais à avoir de nombreuses données, eh bien, c'est un retour parce que je trouve que voilà, ces moments-là, ben, on a ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on a de nombreuses données, les méthodes du noyau, la méthode des voisins les plus proches, pourront être typiquement très bien appropriées au big data. Alors j'ai écrit un article dernièrement, c'était en fait la régression non paramétrique dans le domaine, dans les espaces mesurables. Alors, il suffit de choisir une métrique, et puis, donc, on pourra de toute façon établir des modèles prédictifs, des modèles à partir de ce qui est non paramétrique. Alors, bien sûr, tout ça est étendu à des domaines dans l'alimentation, les études consommateurs, l'agroforesterie, voilà. Et puis, si, en fait, le seul problème des méthodes paramétriques, par lissage, de trouver ce paramètre de lissage, où on a des méthodes comme la méthode de validation croisée, l'Evon-Out estimateur, qui permettent finalement de trouver un bon compromis pour ce paramètre de lissage. Voilà. Donc, quelques références. Et puis, merci pour votre attention. Et voilà, je tenais tout simplement à remercier quelques participants. C'est vrai qu'ils sont nombreux et qu'ils ne sont pas tous cités peut-être, mais
Merci à vous. Bon, si vous avez des questions, je suis là. Thank you very much for this very interesting topic. Diego, if you need a topic, a hot topic for the debate, you can explore the future of the usual statistic or old statistics. I would like to go further and to proceed with the next presentation and to postpone the question for the end of the day because we are a bit late. So except if you have a very urgent question, I would propose to go and to ask Pascal to come.